Ya tungi sanji nitale ora paravani Yari tuki anji nitara shinda na halini Tikenzi hashiri maukuna lawa naguni Tifikiri nyengi nkena shuara shitswani Unambia risie Fukaraka na maisha ya utulivu Lisha unirudie Karisibe hakima valimu Mpenzi wangu na mini Titolisha tena roho za kambali Sisha na imani Rijorele wanero wa ili Alors, bonjour, je m'appelle Pauline Figuière. Je suis responsable de l'Institut de beauté Rose Orchidée que j'ai ouvert en 2017. Diplômée de l'école Françoise Maurice il y a 20 ans à Paris. Après le diplôme, j'ai travaillé en Arabie Saoudite où j'ai rejoint mon mari en mutation pendant 5 ans. Et ensuite, on a été muté en Guyane où j'ai travaillé 3 ans. Je suis arrivée à Mayotte en 2010. Où j'ai travaillé dans un institut de beauté pendant 3 ans. Pour commencer, j'ai testé mon activité à la couverture d'entreprise où j'ai été formée dans la comptabilité et dans la gestion administrative. Après le test en couveuse, Créa Pépite m'a aidée à obtenir les subventions et à m'immatriculer. Ensuite, j'ai décidé d'ouvrir mon institut à la rue du Commerce. Alors, j'ai 2 cabines dans l'Institut où je fais des épilations, des soins du visage, la cabine de hammam et la salle de détente. Dans la salle de hammam, je fais des soins détente, relaxants. Le client est enveloppé d'un bain de vapeur qui est détoxifiant, purifiant, relaxant. Et dans la salle de détente, où je sers après le hammam, des petits gâteaux et du thé vert. J'ai également une coiffeuse qui pratique toutes les coupes hommes, femmes, enfants et des colorations diverses. Ce chocolat, ça sert à hydrater la peau. À détendre et apporter une relaxation, un calme, comme quand on mange un chocolat, ce qu'il apporte à l'organisme, du plaisir, sensation de bien-être. Donc la manucure tiède, elle permet d'hydrater les mains. Pour certaines femmes qui ont les mains très sèches et pour certaines personnes qui ont souvent les mains dans l'eau, ça permet d'hydrater et d'apporter de la fraîcheur dans les mains. C'est sur le pourtour de l'ongle. Et là, je vais pousser les cuticules. Pousser l'ongle dans... Je repousse
la peau qui a séché et pour la permettre de la couper si y a besoin. Je vais masser la main et reprendre un peu de crème.